Antonin Mongeau, j'aurais dû m'en douter. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Ouais, ouais. Reviens-en, l'espérance, décroche, t'es donc bien rancunier. Moi, rancunier? Ouais. Ouais, on joue au hockey ensemble, puis tu me parles pas. Tu viens chez nous voir ma soeur, tu me parles même pas. Puis j'ai même plus le droit d'aller chez vous. Oh, ça, tu sais pourquoi. T'avais pas d'affaire à écrire sur mon casier, Simon Love Chloé. Ça fait longtemps, ça me semble que j'ai assez payé. Toi pis moi, là, on s'entend pas. On s'engueule tout le temps. Y'a aucune raison pour que tu reviennes chez nous, OK? Hey, y'a pas juste toi chez vous, hein? Je suis ami avec les autres aussi. J'aimerais ça les voir des fois. Hey, vraiment n'importe quoi, hein? T'sais, personne l'endure à la maison. OK. Si tu penses que t'es Monsieur Popularité, ben je vais te permettre de revenir chez nous. Cool. Mais à une condition. Ah oui? Quoi? Allô, toi? Allô. Hé, hey Simon, j'ai vu Antonin. Est-ce que c'est vrai qu'il peut retourner chez vous? Ouais, mais à une condition. Ben, il faut qu'il passe le reste de la journée chez nous sans écœurer personne. Antonin, il est tellement baveux, il sera jamais capable. Et que t'es fin. T'es contente? Ben. Ben, j'imagine. Avant d'en être débarrassé, pendant qu'il va être chez nous, il sera pas dans ses jambes. Je trouvais ça plate que vous soyez en chicane. Ça me mettait tout croche. Il me semblait qu'il t'énervait, Antonin. Ben, il me tape ses nerfs, il est même pas endurable, mais... C'est mon frère quand même. Dans le fond, il est pas si pire. Hey, c'est compliqué, une fille. Tu dois me trouver compliqué. Oh non, non, mais non, pas du tout. Ben, si elle, elle se comprend. Hey, mais je savais pas qu'elle l'aimait tant que ça, Antonin. Il va falloir que je fasse attention pour pas trop parler contre lui. Est-ce que je peux aller chez vous? J'aimerais ça savoir si Antonin va réussir. Ah, OK, mais ça va être plate pour toi. J'ai un travail de morale à faire pour demain, puis j'ai même pas commencé. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est correct, OK. Puis tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est un travail sur les différences entre les gars puis les filles. Bien sûr. Puis je veux pas que tu dises n'importe quoi, hein. Faut que tu dises que les filles, c'est les plus belles, les plus fines, puis les plus intelligentes. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Hey, tu vas voir, Marianne, là, c'est super le fun. Hey, hier, là, j'ai passé toute la nuit à chatter à l'ordi. Toute la nuit. Bon, OK, peut-être pas toute la nuit, là, mais jusqu'à 3 heures du matin. Ah, oh, c'est ça qui donne ton beau teint vert! Ah, j'ai pas le teint vert! Hey, mais ça me donne une idée. On pourrait installer après l'ordi, là, des lampes comme dans les salons de bronzage. Comme ça, ben, on aurait un super beau teint, on serait toutes bronzées. Ben oui, hein? Super pratique! T'sais, faudrait se mettre de la crème solaire, puis protéger ses yeux avec des lunettes opaques. Comment tu ferais pour taper, hein? Moi, j'avais pas pensé à ça. Bon, mais c'est prêt, les filles. On peut maintenant brancher un autre ordinateur en réseau avec celui-là. Est-ce qu'on peut chatter? Oui, mais avant, j'aimerais ça vérifier si ça fonctionne. Annabelle, donne-moi ton ordinateur portatif et je vais aller l'installer au sol. Ah, oh, je l'ai complètement oublié. Mais là, comment on fait là, pour chatter? Mais pourrais-tu aller le chercher? Oui, je pourrais, mais il y a juste un problème. Mais quoi? Ça me tente pas. Ah, oh, ça marche pas, là! Annabelle, on pourrait être chacun devant notre ordinateur puis jouer à un jeu. C'est cool, non? Et j'ai téléchargé le jeu Extreme Attack of the Mutant Monster Invader from Outer Space. Mais non, là, y a rien qui fonctionne. Mais oui, regarde, là. Ah, là! OK, laisse faire le jeu. Avec ton ordi, tu pourrais aller sur Internet en même temps que Marianne. Vous pourriez chatter ensemble. Elle est ici, puis toi au sous-sol. Non, là, je veux qu'elle reste avec moi. Moi, je connais rien là-dedans, là. Je veux qu'elle m'aide, hein? Vous êtes dans ma place, vous autres. Dites-moi pas que j'ai fait ça pour rien. Ben non, Manolo, là, tu vas pouvoir le tester, ton réseau. Là. Claude, il revient ce soir avec son portable du bureau. Ce soir? Ça va être bien trop long! Ah! Oh, hey, ça fonctionne, ça fonctionne! Qu'est-ce que je fais? Bon, OK. Là, tu double-cliques sur l'icône ici pour ouvrir la boîte de chat. Puis tu tapes l'adresse de correspondant. Marianne, c'est toujours pareil avec elle. On décide de faire quelque chose, puis elle fait autre chose. Elle me frustre! Oh non, il reste presque plus de lait.
Si j'en prends, je vais être obligé de changer de sac. Oh, ça me tente pas. Chloé, Victoria vient d'acheter une nouvelle sorte de jus des tropiques. Veux-tu y goûter? Non, j'aimerais mieux du lait. Ah, bien. Je suis sûr que tu vas l'aimer. C'est sucré. Il faut vraiment que tu y goûtes. OK, d'abord. Hey, ce serait pas une différence entre les filles et les gars, ça? Me semble que les filles, on aime plus le sucré. Ouais, mais les gars, il me semble qu'on aime ça, nous autres aussi, le sucré. Non, moi, je pense que la plus grande différence entre les gars et les filles, c'est que nous autres, les gars, on aime plus le sport. C'est vrai, mais tu vas pas faire ton travail là-dessus, hein? Oui, mais j'avais pensé faire un petit vidéo. Ben, tu sais, on pourrait faire une course, toi puis moi, puis je gagnerais. Au lieu de parler du sport, pourquoi tu parles pas que les filles aiment plus l'école que les gars? Puis qu'elles sont plus têteuses avec les profs? Hey, on n'est pas têteuses! On prend ça au sérieux, on travaille, c'est tout. Hi, je me calme, moi. Elle prend personnel. Non, mais quand je disais têteuse, je pensais plus à Célina ou à Pénélope, pas à toi. Célina et Pénélope sont pas têteuses. Elles aiment vraiment ça apprendre. Ouais, c'est pas évident de parler des différences gars-filles. On peut rien dire. Ben, elles sont pas têteuses. Elles sont très têteuses. Hello, tiddly-doo! Salut, Max! Puis, est-ce que la caméra de Magali est réparée? Ah oui, elle est réparée. J'étais assez content. Mon ami Étienne a trouvé le problème, puis... Là, quoi? Alors, quoi? T'es maquillée! Ah, ça, oui! Ça, c'est parce que j'arrive de faire de la figuration dans un vidéoclip. Ouais, le concept, c'était toutes sortes de monde show business, mais des années 70, moi, je faisais un chanteur rock, là, Ziggy Play Guitar, yeah! Ouais, mais pourquoi tu t'es pas démaquillé là-bas? Ah, hey, le studio était grand comme ma main, il y avait plein de monde là-dedans, on devait être 32, tu sais, puis il y avait un seul lavabo, je voulais pas me laver la face dans le bol de toilette. Mais là, t'es pas revenu en autobus comme ça, j'espère? Non, j'ai un de mes amis, il est venu me reconduire. Une chance? Ouais, hey, je me serais fait remarquer, hein? Tu te serais fait arrêter, tu veux dire? Hey, je vais parler de ça! Ben, les filles se maquillent, pis pas les gars. Hein, c'est une bonne différence, ça. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, les filles pis les gars s'arrangent pas de la même manière, ça, c'est sûr. Ah. Hey, si vous voulez parler d'une différence entre les gars pis les filles, vous devriez dire que les gars aiment le sport pis les filles aiment l'école. Max, commence pas. Hein? Quoi que j'ai dit? Mais Claude, comment ça tu travailles? Ouais, mais la semaine, j'ai même pas le droit de me coucher tard. Je pourrais pas tester les réseaux avant demain. Ben, c'est ça. Tu diras à ton boss qu'il est plate. Et c'est le but! Excuse-moi, Claude, c'est parce que je viens de compter. OK, je vais avertir ma mère. Bye. OK, là, je vais t'avoir. Comment c'est le temps? Tu dors sur le piton, c'est 9 à 1. Oh, je vais te remonter ça, tu vas voir. T'es capable, mon anin. Ah! Oh, il contrôle bien le ballon. Il passe à Van Halen. Van Halen à Wanda. Oh, le ballon voyage bien. Oh, il passe à Tinesse. Tinesse à Wanda. Wanda à Van Halen. Et c'est le but! La victoire va à Manolo. Une super victoire de 10 à 1 à Manolo. On en joue une autre, OK? Ben là, ça commence à être plate. T'es tellement en poche. Oh, juste une autre pour que je m'améliore. Tu l'as dit toi-même, je suis poche. Je le traite de poche, puis il choque même pas. Ça se peut pas. Je vais recommencer juste pour voir. Hey, t'es poche, t'es vraiment poche, t'es super poche, t'es le plus poche. OK, c'est correct, là, on a compris, je suis poche. Bon, si tu veux pas jouer au baby-foot, là, qu'est-ce que tu veux faire? Hey, ça, c'est rare. D'habitude, il veut tout le temps décider de tout. Il a vraiment changé. Ben, avez-vous un ordinateur chez vous? Oui, mais j'aimerais mieux qu'on reste ici parce que mon père, il est pas trop en forme de ce temps-là. Il faut pas le déranger. Ben, justement, on le dérangera pas. Bon, on va aller chercher votre ordinateur, puis on va le brancher en réseau. Puis si Marianne lâche l'ordi, là, on va peut-être pouvoir jouer à Extreme Attack of the Mutant Monster Invader from Outer Space! Hey, ça, c'est carré, ce jeu-là! Oh, ouais, ce serait le fun! Mais non, mon père veut pas qu'on sorte l'ordinateur. Ben, on n'est pas obligé d'y dire? Wow, mon père, là, c'est pas comme Claude ou Victoria. Il est sévère, lui. Bon, OK, laisse faire l'ordi, là, je vais aller lire dans ma chambre. Ben, Anthony. Oh, est-ce que je peux aller lire avec toi? Antonet qui veut lire? Hey, il a pas juste changé, il est malade. Non, c'est pas ça. C'est pas un vrai Antonet. C'est un clone. Ben non, là, j'ai pas besoin de toi pour tourner mes pages. Ah, attends. J'ai apporté des CD. Est-ce que tu veux écouter de la musique? Veux-tu manger à la place?
J'ai du chocolat, là. Ben, je te le donne. J'aurais pas faim pour souper, puis ma mère va me chialer après. Non, merci. OK, OK, t'as gagné. On va aller le chercher, l'ordinateur. J'ai gagné? Comment j'ai fait ça? OK, qu'est-ce que t'attends, Antonin? Viens-t'en. OK. Ah, parfait. C'est beau, Simon. C'est quand tu veux. J'attends juste que Marianne et Annabelle sortent. Mais là... Non, Simon, là, on t'a passé des affaires. On veut voir ce que tu vas faire avec, hein? OK, Max, on peut y aller. Attention. Cadré. Action. Bonjour, mon nom est Simon L'Espérance. Une des différences entre les gars et les filles, c'est que les filles pensent beaucoup. Elles pensent énormément. Elles pensent tout le temps à leur apparence. Ben, les filles pourraient faire du sport, mais elles peuvent pas courir parce qu'elles portent des souliers plateforme pour leur apparence. Mais c'est vrai que marcher avec ça, ça doit être du sport. Les filles passent aussi beaucoup de temps à se maquiller, à se mettre du rouge à lèvres. Hey Simon, j'ai une idée. Tu devrais faire une démonstration. Quoi? Ben oui, tu devrais montrer comment les filles se maquillent, hein? Ça sera encore meilleur. Oh oui, fais-le, ça va être super drôle. Ouais. OK, c'est bon. Cadré, action. Les filles passent beaucoup de temps à se mettre du rouge à lèvres. Ben, c'est donc bien gros, cette affaire, là. Puis, elles se regardent dans le miroir. Les filles passent aussi beaucoup, beaucoup de temps à s'occuper de leurs cheveux. Elles les brossent, elles se font des tresses, des couettes, des chignons, des lulus, des toques. Oh, elles mettent des rubans, des élastiques, des barrettes. Puis, elles se regardent dans le miroir. Une fille, là, ça se lave les mains puis ça se regarde dans le miroir. Nous, au moins, on se lave, c'est pas comme les gars. Pour les filles, là, se regarder dans le miroir, c'est une activité à plein temps. À chaque fois, elles s'examinent, elles se regardent comme si elles s'étaient jamais vues de leur vie. Et tout ça parce qu'elles pensent à leur apparence. Nous, les gars, là, on s'en fout de l'apparence. La preuve, regardez de quoi j'ai l'air. C'est beau, Max. On peut couper. OK. Excellent, c'est bon. Ouais, je vais vérifier si tout est beau. Hey, Simon, t'as été super bon. Ouais, sauf que c'est pas vrai là, que tu te fous de ton apparence. T'sais, regarde, tu te fais des pics dans les cheveux avec du gel. Ouais, puis quand t'es fait, là, toi aussi, tu te regardes dans le miroir. Ouais, c'est vrai, mais les cheveux, ça compte pas. T'sais, tout le monde s'occupe de ses cheveux. Non, la vraie différence, là, c'est que je me maquille pas. Hey, ben, je voulais t'en parler, justement. T'sais, il me semble que tu devrais apprendre à te mettre du rouge à lèvres. Hey, si tu penses... Ouais, pis les cheveux, là, hey, là, ça me semble que ça va pas, là. C'est beaucoup trop blond pour ton teint. Hey, des mèches, ça sera en masse, hein? Ouais, je suis contente de pas être une fille. Hey, c'est compliqué. Allez, lâchez-moi, la fatigante. En tout cas, Simon, là, t'es pas gênée, hein? Je connais pas beaucoup de gars qui auraient fait ça, hein? Pis t'es pas mal cool. Ouais, c'était super, ta présentation. Hey, peut-être qu'on pourrait l'engager pour faire une chronique dans notre journal? Non. Wow, là! Tu sais, il y a de la misère à faire ses devoirs, hein? Ben... Il est temps, on retourne à l'ordine. Ah oui, bonne idée! Et ce qui est le fun avec le chat, là, c'est que tu pars, tu reviens, puis il y a toujours quelqu'un en ligne. Hey, on a une nouvelle fille à la maison! Allô, Simone! Elle était facile. S'il y a des gars qui me demandent ton numéro de téléphone, est-ce que tu veux que je leur donne? Simon, t'es rien qu'un... Simon, je... Pourquoi t'as fait ça? Pour te faire parler. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais? Ah, ben, si je te le dis, tu vas dire que je t'écœure, là, puis tu sais que j'ai pas le droit. Hein? C'est ça qui est le fun! Ouais, t'as fait exprès pour que je revienne plus jamais ici, hein? T'es sadique! Attention à ce que tu vas dire, Antonin. OK, ma loulou, on s'en va. Je peux pas rester une seconde de plus, sinon ma tête pourrait exploser tellement je pourrais dire des affaires. Salut! Il a été bon, Antonin, il t'a même pas écœuré. Ouais, c'est pas l'envie qui manquait, hein? Ah non, Simon, ça a pas marché, il va falloir tout recommencer. Oh non! Ben non, c'était une farce, c'était super bon! Ce qui est plate avec un clavier, là, c'est qu'on peut pas avoir les ongles longs. Ben oui, regarde, parce qu'il faut pas que tu tapes comme ça, là, faut que tu tapes comme ça. Ah! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Eh bien, t'as un nouveau correspondant. Hey, il s'appelle The Man 99. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu double-cliques sur l'icône. Non, 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 hey, fais pas ça!
Mais comment ça? Mais là, on sait pas, hein? C'est peut-être un maniaque sexuel qui veut me rencontrer en personne au terminus d'autobus. Mais pas forcément, là. Hey, ça doit être quelqu'un que tu connais, là. À qui t'as donné ton adresse électronique? Mais personne! Oh non, là, hier au conseil, là, j'ai dit que je prendrais boumette@hotmail.com si t'es disponible. Bon, ben, c'est ça, c'est un gars du conseil. Mais là, pourquoi un gars? Mais là, domaine, ça veut dire l'homme en anglais. Ben oui, c'est bien trop vrai. Ben là, c'est pas David, ben est-ce qu'il n'y a pas d'ordinateur? Ça peut pas être Sébastien parce qu'il était à un tournoi d'échecs. Ben il reste juste... Oh! Mathieu! Oh, OK. Bonjour, domaine 99. Est-ce qu'on se connaît? Oui, on est à la même école. OK. Est-ce que on a déjà été proche? Oh non, très proche. On l'est encore! Mathieu, est-ce que c'est toi? Peut-être! Marianne, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Oh. Hey, c'est cool. Marianne pense que The Man 99, c'est Mathieu. Ça savait que c'est moi. Bon, qu'est-ce qu'on va répondre à Madame Boumette? Je pense que c'est pas trop cool de se faire passer pour quelqu'un d'autre, Manolo. Hey, je pourrais dire à Marianne que je m'ennuie d'elle depuis qu'on a cassé. Non, 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 fais pas ça, mais elle fait pas de leurs affaires. Hey, tout le monde fait ça sur Internet. Tout le monde invente des histoires. Ben non! Ben oui, il y a des gens bien ordinaires qui se font passer pour des prix de beauté. Il y a des filles qui se vieillissent, puis il y a des vieux bonhommes qui se rajeunissent. Ça serait pas de même si on se voyait toutes directement par une caméra. Tu sais, là, les webcams? Ben oui, ou si on pouvait se télécharger, là, comme un fichier. Hein? Hey, je devrais inventer ça. Un logiciel pour qu'on puisse voyager par Internet. Voyons, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit parce que j'ai voyagé par Internet pour venir te voir. Hey, ça fonctionne! Mais tu sais, là... Ta tête! Pourquoi t'as... C'est ta face, ça! Pourquoi t'as... Ah! Les voyages par Internet, c'est pas encore au point. Wesh! Mais là, es-tu certain que c'est avec Marianne que tu chattes? Mais certain que je suis certain! C'est moi qui ai enregistré son adresse Internet. Elle savait même pas comment faire. Hey, je sais ce que je vais y écrire. J'aimerais ça qu'on reprenne ensemble. Oh, Manolo, arrête! C'est pas cool que tu te fasses passer pour Mathieu. Ben non, c'est drôle. Ah, puis là, il faut que j'aille porter l'ordinateur avant que mon père s'aperçoive que je l'ai pris. Attends, juste voir ce qu'elle va répondre. Non, il faut que j'aille maintenant. Et t'es plate, on avait du fun, là. OK, là, vas-y reporter ton ordinateur et je vais aller lire. Mais je vais revenir après, hein, on va pouvoir faire autre chose. Oh non. Moi aussi, des fois, j'y pense, Mathieu, mais il faudrait qu'on en parle parce que je suis vraiment pas sûr. Il faut que j'arrange ça. Marianne, il faut que je... Il faut, avec un X ou avec un S? P-H-O. Que je te dise quelque chose. Hey, c'est toi! Oh! Non, c'est beau, Mathieu. Non, non, j'ai trouvé le coupable. Non, non, t'as pas besoin de venir, OK? Merci, bye. T'es là? C'est parce que tu viens juste de m'envoyer un message, là. Eh bien, Annabelle aussi est capable d'envoyer des messages. Et tu vas me le payer, Antonin Mongeau. C'est jour. Pas ce que tu penses. Moi, je voulais non, pas. Non, essaye pas. Non, laisse-moi t'expliquer. Nous, les gars, là, on s'en fout d'apparence. La preuve, regardez de quoi j'ai l'air. Hey, c'est super bon, hein? Je suis sûre que t'es le seul de ta classe à avoir eu cette idée-là. Ouais, c'est sûr, là, mais je me demande si je vais le présenter. Il me semble que j'ai l'air fou. Mais ton travail? Ben, je pourrais juste faire un exposé devant la classe. Ouais, c'est pas mal moins original, hein? Mais non, là, présente-le, et moi, je trouve ça super drôle. Ouais. Ben, moi aussi, je trouve ça drôle, mais... Manolo et Antonin, là, ils trouvaient que j'avais l'air épais. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont pas vu le vidéo. Je suis certaine qu'ils riraient s'ils entendaient ce que tu dis à propos des filles puis des miroirs, là. Tu penses? Certaine. En plus, Max, Annabelle puis Marianne, ils trouvaient audacieux. Même qu'ils ont dit qu'ils te trouvaient cool. Ah ouais? Il me trouvait cool.
Hey, Simon, il est cool, hein? Oh, oui, super cool! Full cool! Il est tellement cool, là, que s'il était pas si jeune, là, je sortirais avec. Oh, oui, il est cool. Si c'était pas mon frère, là, je sortirais avec tellement il est full cool. Pis toi? Hey, wow, 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 vous autres, là, moi, je sortirais jamais avec, là. Mais vous l'avez vu des en fille? On voit bien que c'est un gars. Un vrai gars. Un gars cool! Ouais, les plus vieux me trouvent cool, puis les gars de ma classe vont rire de moi. Mais non, là, dans ton vidéo, là, tu caricatures les filles. Ils vont rire d'elles, pas de toi. Ouais, t'as raison. Hein. Je le trouve bon, mon vidéo, puis je vais le présenter. Puis s'il y en a qui m'écartent, là, ben, ce sera leur problème. Mmh, yes! Mais tu comprends pas, Marianne, c'est pas de ma faute. Ah ouais, comment ça, c'est pas de ta faute? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi Marianne crie? Ben, je pense qu'elle vient de trouver qui la niaisait sur Internet. Hey, il se faisait passer pour Mathieu. Je voudrais pas être à sa place. Ah ouais, le grouille! Minute, minute! Oh, Annabelle, je te présente demain 99 en personne! Toi, Simon, là, tu vas le croire que j'ai rien fait, hein? C'est pas de ma faute! Ben non, c'est jamais de ta faute, Antonin. Je vous le jure! Désolé, Chloé. Peut-être que ça va te faire de la peine, là, mais je suis obligé d'y dire. Oh, dis, sinon c'est moi qui vais lui dire. Antonin, t'es vraiment épais. Tu sais, je te donne une chance qu'on redevienne amis, là, pis toi, tu peux pas t'empêcher d'écœurer le monde en faisant exactement... Hey, j'ai écœuré personne, OK? En faisant exactement comme t'as fait avec Chloé et moi. Hein? Tu t'es encore mêlé des affaires des autres. C'est ça que j'ai dit à Manolo. Pis à part de ça, là, si j'avais voulu écœurer, je serais resté chez nous. J'avais pas besoin de l'hérisser avec l'ordi à mon père. Ben, est-ce que papa sait que tu l'as pris? Il dormait. Hey, tu vas te faire engueuler. Tu sais qu'il veut pas qu'on touche à son ordinateur. C'est Manolo qui me l'a demandé. Écoute, on fait toujours tout ce que Manolo dit? As-tu une personnalité? Oui. Non. Oh, je sais pas. En tout cas, je voulais pas qu'il niaise Marianne. Quand je suis descendue, là, c'est toi qui étais en train d'écrire. Moi, je veux plus le voir ici. Il me semble qu'on était bien quand il était pas là. Antonin, on avait un marché. T'avais le droit de revenir ici seulement si t'étais capable d'écœurer personne. Hein? Là, je veux plus jamais que tu remettes les pieds ici, OK? OK, c'est correct. Croyez-moi pas. Mais demandez-le à Manolo, il va vous le dire, lui. Ah ouais? Puis s'il dit pas la même chose que toi, s'il dit que c'est de ta faute... Ouais, s'il dit que c'était ton idée, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je remettrai plus jamais un pied ici. The Man 99, c'est moi, je vous le jure. The Man, c'est pour Manolo, puis 99, c'est l'année où j'ai les microbes. Mais oui, mais pourquoi tu t'es fait passer pour Mathieu? Hein? C'est super épais. Ben, je voulais juste vérifier le réseau. J'ai essayé ton adresse, puis c'est même toi qui m'as demandé si j'étais Mathieu. Mais t'aurais pu dire non, hein? C'est ça que j'y ai dit. Hey, c'était juste pour jouer un tour, là. C'est pas grave. Ah, là, tu comprends rien. Ben là, Antonin, va-t'en pas, reste. Il faut que j'aille porter ça. Ben, tu peux revenir après. Pourquoi faire? Ta sœur l'a dit, vous étiez bien mieux quand je venais pas ici. Ben là, est-ce que je le retiens ou je le retiens pas? Puis si je le retiens, est-ce que je vais le regretter? Ben, ma sœur a dit n'importe quoi. Ben regarde, va porter l'ordinateur, puis reviens après, on va jouer une partie de babyfoot ensemble. Je t'ai averti, il est super poche, j'ai le bas à une main. Je manque de pratique. Ben, si tu veux, je vais te donner mes trucs. Ah ouais? Ah ben OK, je vais revenir. Antonin, tu sais qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, là? J'étais pas mal énervée, là. Tu sais, je le pensais pas vraiment. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire comme que tu serais comme ennuyée de moi? Ben non, là, je me suis même pas aperçue que t'étais pas venue pendant 2 mois.